Salut les amis, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte et comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez vu déjà certainement dans le titre, on se retrouve enfin pour la vidéo découverte de WRC 7 sur PlayStation 4, donc je suis super content de commencer une nouvelle série pour un nouveau let's play avec vous. J'espère que je vais m'en sortir, normalement ça devrait pas poser trop de problèmes. Hier j'ai quand même fait une petite course en course rapide et j'ai essayé, ça a été... La maniabilité diffère un petit peu par rapport au 6, mais bon, c'est l'histoire de s'habituer, puis c'est tout. Et à savoir également qu'à l'époque où j'avais acheté le jeu, parce que je l'avais acheté un peu après sa sortie, je l'avais pris en... Non, même un petit... Je pense que quand le 8 était sorti, je sais plus. Enfin, je l'avais pris en démat. Il était en super promo, et... Donc je vous avais déjà fait, je bafouille à l'époque, une vidéo découverte, mais via le live de la PlayStation. Donc je pense que je vous avais fait une vidéo découverte et peut-être une petite vidéo détente, mais je pense même pas. Ça, la vidéo découverte, ça c'est sûr. Mais je vous propose ici, donc comme maintenant je fais via un boîtier d'acquisition, etc., qu'on fasse donc qu'on recommence tout depuis le début. Voilà, voilà. En tout cas, l'écran titre, il est magnifique. Petite gorgée de café. Yep. Voilà, donc on a le mode solo, qui comprend le mode partie rapide, le mode carrière, championnat personnalisé et le test de conduite. On a le mode multijoueur, là bon, multijoueur en ligne. On peut jouer en écran partagé, ce qui est assez sympa également. Il n'y avait pas ça dans les autres opus. Donc à l'occasion, je vous ferai peut-être... Désolé, je tousse, mais... À l'occasion, dès que j'aurai un ami sous la main, je vous ferai peut-être une vidéo sur ce mode écran partagé pour vous le montrer. Et un mode hot seat. Jusqu'à 8 joueurs, donc au tour par tour. Donc c'est chez soi, chacun son tour, ou alors à moins que ça soit en ligne aussi, mais tour par tour. Voilà, voilà. Alors on a les défis. Apparemment le serveur n'est pas disponible. Vérifiez votre connexion internet. Pourtant je suis connecté. La drive card, donc ça nous dit le nombre de spéciales qu'on a joué, le spécial joué en ligne. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas joué beaucoup. On a les classements, les options et les extras. Donc ici pour cette vidéo découverte, je vais vous faire une petite découverte sur le mode carrière. Et je vous ferai sans doute une deuxième vidéo découverte sur les parties rapides. On verra. Voilà, donc ben, on va faire nouvelle carrière. Tac. Prénom. Jean-François. Non. L'embrouille. Nationalité. Boulbékistan. Style de conduite personnalisé amateur. Ben, j'avais mis hier pour ma course rapide, j'avais mis facile personnalisé. Donc on va laisser comme ça. Yop. Alors, on a trois contrats avec la Ford Fiesta R2, Ford Fiesta R2, Ford Fiesta R2. Donc au niveau de voiture, à part les couleurs, les rallyes, c'est apparemment les mêmes. Enfin, quoi que là, il y en a 6. 6. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes partout. Alors, durée de contrat 2 ans, stratégie d'équipe, sécurité, dégâts diminués de 5%, vitesse, équilibre. Bon, on va prendre celle-ci, équilibre, hop, c'est parti. Bienvenue dans l'équipe Sébastien Carriaga. En début de saison,
était à faire, on se demande si du hasard peut briller. On a les rallye memories. Ouais, même, oui, je vais briller. Allez, donc on va partir au rallye suivant. Les petites inscriptions sont mises un peu plus grandes que dans le précédent opus. Donc le premier rallye, c'est le Tour de Corse. Che Guevara Energy Drink Tour de Corse. Donc là, il faut se classer au moins 22e sur le rallye en général. En résultat général. Donc voilà, le rallye de France, Tour de Corse. Les menus ont un petit peu changé. Franchement, c'est encore plus joli qu'avant. Donc c'est parti pour la première spéciale. Il n'y en a que 3 apparemment. La Porta Valle di Rostino. 7,58 km de tarmac sous le soleil. En tout cas, les petits écrans sont super jolis. J'espère que vous êtes ravis de voir un nouveau let's play sur ce WRC7. Et quand on aura fini celui-ci, ben, on entamera le WRC8. Et après, ça nous permettra d'attendre la sortie du WRC9. Croisons les doigts. Allez, c'est parti. Et les décors sont franchement magnifiques. C'est dingue. Bon, comme je vous l'ai dit, la maniabilité, elle change un tout petit peu. Ça, on le ressent dès qu'on passe d'un à l'autre. J'avais joué au WRC6 et puis j'ai essayé celui-ci. On sent direct que la maniabilité est plus tout à fait pareille. Mais bon, elle est très bonne également. Il suffit de s'y habituer. La vue des voitures, elle a un petit peu la vue extérieure comme ça. Je pense qu'elle est un petit peu plus éloignée également. Enfin, en même temps, la maniabilité, je dis, elle change, mais bon, il faut dire aussi que je suis passé donc du WRC ici, on recommence en WRCJ, hein, donc forcément, ça fait peut-être aussi quelque chose. Bon, malheureusement, on ne peut toujours pas choisir de copilote féminin. Qui était le cas dans le WRC5, donc ça c'est assez dommage. J'aime bien d'être accompagné par une femme pendant mes petites courses. Toujours plus agréable, bon, sur un malentendu. Au détour d'une épingle à cheveux, une sortie d'en route, une sortie de piste et voilà quoi. Oui, le Joe Hazard est assez coquin, je sais. What did you? En tout cas, je ne me lasse pas de cette série, de cette licence, franchement. Kiloton, si tu m'écoutes, si tu me regardes, n'hésite pas à m'envoyer un exemplaire du WRC9 quand tu le sortiras. Je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo découverte et un let's play. PS, tu peux même ajouter dans le packaging un petit volant à retour de force. Ça n'en sera que plus jouissif. Non, malheureusement, avant que l'éditeur décide à m'envoyer un exemplaire du jeu pour le tester, faudrait que j'ai un petit peu plus d'abonnés. Donc les amis, si vous voulez m'aider à améliorer la chaîne, à ce que je puisse vous proposer des jeux dès qu'ils sortent, ou même peut-être un petit peu avant, pour motiver les éditeurs et les distributeurs, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à partager ma chaîne, à inviter vos amis, vos connaissances, votre perroquet, vos canaris, vos chiens et chats, à s'abonner à ma chaîne.
plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de vues, plus j'aurai de chances évidemment d'avoir des petites propositions, et ça serait franchement super sympa. Parce que malheureusement, je n'ai pas les moyens de m'acheter les jeux que j'aimerais vous présenter, de les acheter tous, quoi. Je fais déjà mon possible pour vous montrer un max de choses. Avant, je faisais pas de let's play, maintenant je vous en fais. Donc voilà, j'essaie de vous faire un peu plus de vidéos découvertes sur des jeux divers et variés. Oh, mais les décors, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. À chaque épisode, à chaque opus, on est bluffé. Regardez-moi cette ville dans le fond, là. T'as presque envie d'y aller en vacances. Même si pour le moment, on ne pourrait pas. Putain de virus de merde. Ouais, putain de virus de merde. Plus, moi, j'espère que je vais pas développer cette merde parce que je suis malheureusement positif dans mon boulot. C'est pas évident. Donc. Mais bon, pour le moment, pas de fièvre, pas trop de courbatures. J'en ai de temps en temps, mais ça va. Je tousse. J'ai un peu plus de mal à respirer. Mais bon, avec mon asthme, je suis habitué. Donc là, je gère. Sinon, je serais pas là en train de vous faire une vidéo. Mais c'est pénible quand même. Épingle droite, pas corde. Dans gauche 5, dans droite 5. Bon, on espère qu'on aura fait un bon résultat. Et droite 3, long, ouvre, 30 mètres. Droite 5, ferme, fin. Et épingle gauche, 30 mètres. Ah, pour les dérapages dans les virages serrés en WRCJ, c'est pas aussi facile qu'en WRC. Hein. Ou alors c'est la maniabilité de cet opus qui fait que je n'y arrive pas. Je ne sais pas, mais. Dans ma dernière vidéo sur WRC6, c'était plus nerveux. Mais bon, j'étais en WRC, ici je suis en WRCJ. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben, on est premier. Oh ben, punaise, 34 secondes d'avance. Évidemment, je suis en facile aussi. Mais bon, j'aime pas me prendre la nouille. J'aurais bien mis quand même en normal, mais on verra. De toute façon, je peux changer la difficulté. Donc, peut-être que dans la prochaine vidéo, pour le prochain rallye, je mettrai la difficulté en normal. Voilà, donc l'objectif du rallye, on l'a déjà fait. On doit se classer au moins 22e. On est premier, donc que demander de plus? Pardon. Donc on part pour la deuxième épreuve. Novella, 5 km 03 de tarmac sous le soleil, évidemment. Ah ouais, on va réparer avant. Yep. Avant, il fallait regarder en bas de l'écran pour démarrer, réparer tout ça. Maintenant, c'est en haut et bien écrit en grand. Allez, en tout cas, franchement, je le répète, mais les petits écrans comme ça de chargement, ils sont super jolis. Regardez-moi ça, les effets de phare sur le sol, là. Quand la voiture avance, c'est super bien fait. Oh, c'est encore plus beau qu'avant, même les de nuit comme ça. 40 mètres, droite 3, pas
corde et gauche 4. Je sais pas ce que ça va donner WRC sur PS5 et Xbox Series X, mais waouh, ça va être un truc de dingue. Oh, mais les, regardez-moi ça, les bords n'osent même pas avancer, c'est encore plus, je sais pas comment on dit, plus abrupt qu'avant. Enfin, c'est magnifique, le jeu il est super joli. À chaque opus, je suis émerveillé. Vous allez vous dire peut-être, ouais, t'es con, c'est qu'un jeu de jeu au hasard. Mais franchement, quand les jeux sont jolis, ça fait super plaisir. Quand il y a des magnifiques décors et tout, que ce soit d'un jeu de course, un jeu d'aventure, un jeu d'action et tout, ça fait, ça compte beaucoup les graphismes. En plus de la maniabilité, du fun qu'on éprouve. T'oses même pas aller vite, c'est vraiment étroit et tout, c'est... Oh. En tout cas, merci aux équipes de Kiloton de chaque fois bien améliorer leur jeu et tout, d'améliorer. Et de pas se contenter comme certains font. Allez, on va refaire une suite, mais on va pas rien, on va pas changer grand chose. Là, c'est magnifique. Encore merci. Pour moi, vous êtes des dieux parce que j'adore le rallye. Et... Wow. Je dis pas ça pour que vous m'envoyez un exemplaire. Je vous lèche pas la. Le bras, hein. Je crois que c'est un petit peu aussi, mais bon. Droite 3, court, 30 mètres. Droite 4, ferme en 3. Droite 4, ouvre. Dans gauche 3, ouvre, long, 30 mètres. Coupe, 40 mètres. Droite 2, ouvre, 40 mètres. Gauche 4, court, et 3, 40 mètres. Droite 4, dans coupe, long. Droite 4, ferme en 3. Ah, quel bonheur de se remettre sur un nouveau WRC, punaise. Là, je kiffe. Droite 4, fin, dans gauche 3. Ah, comme c'est une vidéo découverte, je vais vous montrer également les autres vues. Hop, une vue ici un petit peu plus éloignée encore. Bon, ça change pas grand chose. On a la vue capot qui est plus. Qui a plus. Qui procure plus de sensations. Voilà, je cherchais mes mots. On a la vue à ras du sol qui a l'air encore plus rapide du coup. Et là il faut quand même être bien habitué avec les circuits pour l'utiliser celle-ci. Mais elle est super fun, hein. Franchement. Toutes les vues sont super chouettes et bon, ça dépend des goûts de chacun. Moi dans mes vidéos j'essaye de vous montrer en général la vue extérieure et la vue intérieure, donc comme ici. Qui est spectaculaire également et plus plus fun au niveau des sensations de conduite, mais c'est un peu plus hard aussi. Franchement, regardez-moi les décors et tout, c'est... Et alors voilà, cette vue-ci que j'utilise le plus souvent, mais elle procure également aussi des sensations. Je dis pas que celle-ci ne procure pas de sensations, parce que quand tu es dans les virages que tu dérapes, tu le sens bien, c'est vraiment bien fait. Regardez-moi ça, les freins qui rougissent là, avec la chaleur, c'est super joli. Alors encore premier avec 30 secondes d'avance, là, waouh, on cartonne. Donc je pense que pour la prochaine vidéo, je vais essayer de le mettre en normal pour voir. Allez, ah ben oui, c'est vrai qu'on peut réparer à chaque fois ici, vu qu'il n'y a qu'une épreuve entre chaque... C'est bizarre qu'il n'y a que trois...
trois épreuves. Ouais. Et c'est parti pour la Porta Valle di Rostino, 7,58 km de soleil et de tarmac. T'as l'impression d'avoir des cartes postales de vacances. Par contre, pour platiner, celui-ci, je sais pas, mais le 6, ça va être chaud boulette pour moi, le platiner. J'ai pas vu ce qui était marqué en bas. Parce que t'as des objectifs à faire, il y a un trophée où il faut faire tous les objectifs, mais il y en a un, il faut gagner toutes les spéciales en mode simulation. Et là, je dis pas que j'en réussirai pas quelques-unes, mais toutes, ça va être chaud boulette, donc... Bon, le WRC5, il était super facile à platiner. Celui-là, j'ai le platine sur PS Vita, sur PS3, sur PS4. Parce que oui, j'ai les trois versions. Je vais essayer de le choper d'ailleurs, tous les WRC, je vais essayer de les choper sur Xbox One également par après. Et sur 360 aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Parce que je kiffe vraiment cette licence. Faudra aussi que je pense à vous recontinuer le let's play que j'avais commencé. Enfin, j'avais pas commencé un let's play, j'avais fait juste une vidéo découverte et une vidéo détente sur le Dirt 4 qui est excellent également. Alors, il y a le V-Rally 4 que je possède également sur PS4 et Xbox One que je dois essayer de vous faire une vidéo découverte, un de ces quatre. Mais je l'ai essayé la fois passée, j'avais juste fait une course, mais bon. Niveau difficulté, il est chaud boulette en tout cas celui-là. C'est aussi, il est aussi développé par Kiloton Studio, donc à qui l'on doit les WRC. Mais bon, c'est la patte V-Rally, c'est différent d'un WRC. Mais graphiquement, je dois dire que la première impression m'a fait une bonne impression. Et il était vraiment magnifique également. Celui-là, je vais peut-être vous enregistrer une vidéo découverte. Je vais peut-être le faire aujourd'hui aussi, tiens. On verra comment on s'en sort. On va essayer de continuer avec cette vue-ci. Les reflets du soleil et tout, la lumière là sur le pare-brise, c'est franchement très bien fait. Les indications à l'écran sont un peu différentes par rapport au 6 aussi, comme la barre d'évolution sur le tracé. Elle est plus grande ici, à gauche, là, la barre à gauche. Elle est plus grande sur cet opus que sur le 6. Le petit logo de la voiture là qui indique les dégâts à droite et qui apparaît quand on a un choc et qu'on sort de piste. La voiture elle a l'air plus grande il me semble que dans le précédent opus également.
légèrement froid, court. Dans épingle droite ouverte, dans gauche 5, 30 mètres. Droite à fond, 40 mètres. Gauche 5, dans coupe, 40 mètres. Droite 5, court, 30 mètres. Par contre, la voix du copilote, c'est toujours la même. Légèrement 1, dans coupe, 40 mètres. Oh putain. Dans droite 5 et gauche 5 et droite 3 ferme et gauche 2 court et droite 3 30 mètres. Attention, gauche 3 fin dans droite 1. Gauche 3, fin, ferme en 1. Dans droite 5, court, ferme en 3. Et gauche 5, dans coupe. Fin, épingle droite, pas corde. Dans gauche 5, dans droite 5. Gauche 3, ouvre, dans droite 5. Et droite 3, long, ouvre, 30 mètres. Droite 5, ferme, fin. Et épingle gauche, 30 mètres. Gauche 5, bosselé, ferme, 50 mètres. Droite à fond, 60 mètres, attention, gros frein, équerre droite, étroit, sur fond, 30 mètres, équerre gauche, s'élargit, 30 mètres. Et gauche 6, dans droite 4, ferme, dans gauche 3, court. Dans droite 5, court, pas corde. 100 mètres, arrivé. Et encore premier avec 22 secondes d'avance. Là, c'est fort quand même. On a 1 minute 40 au total en avance. On va... Je pense que je vais encore faire le prochain rallye ici pour cette vidéo découverte parce que c'est quand même court, 29 minutes. Mais par contre, je vais aller voir si on peut changer la difficulté avant. Toujours plus ou moins le même écran de fin dans chaque fin de rallye là avec le truc de victoire et tout, franchement c'est toujours bien fait. J'aurais pu mettre des petites pom-pom girls, un truc comme ça. Voilà, voilà. Désolé si je tousse. Allez, donc là, on a eu l'objectif. Yep. Le moral de l'équipe, il augmente. Cool, tant mieux. Ils sont contents de moi. Ils vont peut-être m'offrir une petite boîte de chocolat. Du hasard, n'a pas osé faire un 360, dommage. Mais attends. Tu vas te calmer, oui. Donc, on va retourner dans le menu, voir pour changer la difficulté. En espérant qu'on peut le faire en cours de championnat. Normalement, ouais, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Intermédiaire. On va mettre en intermédiaire. Carrière, continuer. Donc ici, on part pour le rallye d'Italie, rallye Italia-Sardegna.
il est toujours possible d'effectuer des réglages mécaniques dans le Team Service Arrière. Allez, ici, bah, 4 spéciales. On va directement partir donc pour monter l'Erno. 4,12 km de gravier et de soleil. Je m'excuse hein, pour mes bruits. C'est pénible. Une fine pellicule de terre glissante désavantage le premier à s'élancer sur les routes. Ça va, c'est lui qui s'est lancé premier, donc... Allez, Gandalf. On va la faire en vue intérieure, encore celle-ci. Puis on remettra la vue extérieure. Droite à fond, reste à l'intérieur, et gauche 3, pas corde. Et droite 3, descente, pas corde. C'est quand même plus réaliste que la vue intérieure dans Wreckfest, où il y a... pas les mains du pilote sur le volant. Ça, c'est le genre de petit détail qui fait quand même beaucoup. What the chew? On est valsé dans les oliviers. Oh, mais regardez-moi comme c'est magnifique là. T'as presque envie de t'arrêter de pique-niquer quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Ça me donne envie un jour d'aller en vacances en Italie, c'est un petit village. Ça serait le rêve, je pense. Droite 4, long, sur ciel, ouvre. Gauche 4, four, sur ciel, dans droite 3. Ciel, dans gauche 4, four, descente. Dans droite 4, 30 mètres. Droite 4, pas corde, ouvre, dans gauche 3, long, reste à l'intérieur. Droite 3, ouvre. Et coupe, 20 mètres, droite 4. Ouais, les bruitages aussi, les bruitages, franchement, c'est super bien fait. Quand t'es en vue intérieure ou en vue extérieure, les bruitages changent. C'est vraiment... c'est top, quoi. Droite 4, ferme, dans gauche 4, pour 50 mètres. Et droite 4, reste à l'intérieur, dans gauche 3, pour 30 mètres. Gauche à fond, sur ciel, et gauche 5, bosselé, ouvre, 30 mètres. Gauche 4, ouvre, 50 mètres. Droite 4, ferme, long. Et gauche 3, court, ferme, dans droite 5, 30 mètres, fin. Droite 3, pas corde, ferme. Et gauche 1. Je suis là pour tirer la saleté du pare-brise. Dans épingle droite serrée, ouvre, et gauche 5, sur ciel, gros saut. Nous, on est du corps un peu. Là, j'ai eu chaud. Gauche 4, dans droite 4. Wouppi! Putain! Et droite 3, pas corde, ferme, dans gauche à fond, 40 mètres. Gauche 3, court, 40 mètres. Droite 3, pas corde. Et gauche 5, 70 mètres. Gauche 3, très long, sur ciel, ferme. Et droite 3, long, dans arrivée. Terminé 10 spéciales par temps dégagé. Oh punaise, 8ème là. Waouh, ça c'est chaud. On va la recommencer celle-là, on va essayer de faire mieux. Voyons, on voit que je vous ai mis en autre difficulté. Droite à fond, reste à l'intérieur, et gauche 3, pas corde. Et droite 3, descente, pas corde, 30 mètres, attention. Gauche 3, sur bosselé.
droite 5, gros frein, dans gauche 3, pas corde, ouvre. Enfin, en même temps, j'étais aussi sorti un peu de piste, écoute. Donc... Oh. Par contre, il n'y a rien à faire, moi j'aime mieux cette vue-ci, hein, pour vous jouer. Même si je kiffe l'autre, qu'elle procure plus de sensations, enfin des sensations différentes. C'est pas plus de sensations, parce que je trouve qu'à celle-ci, il y a quand même des sensations aussi. Notamment dans les virages, dans les épingles à cheveux et tout. Mais voilà, les sensations sont différentes. Droite 4, pas corde, ouvre, dans gauche 3, long, reste à l'intérieur. Excellent, là, quand la voiture a un peu plus de vitesse comme ça, évidemment on est en pente, mais c'est jouissif dans les virages et tout. Oh, mais regardez-moi ce décor, franchement, wow. Et ces insectes là, c'est encore mieux fait qu'avant. Quand on passe certains endroits où il y a des petits papillons comme ça. Et gauche 3, tour, ferme, dans droite 5, 30 mètres, fin. Droite 3, pas corde, ferme. Oh non, franchement, il est excellent, hein, aussi. Ouh là là. Dans épingle droite serrée, ouvre, et gauche 5, sur ciel, gros saut. Et gauche 4, dans droite 4. Au niveau sensation, il est jouissif, il est excellent. Non, franchement, si vous aimez les jeux de course, mais que vous n'osez pas vous lancer dans les jeux de rallye, il faut pas hésiter, quoi. En plus, les WRC 5, 6 et 7, ils sont régulièrement en promo sur le PlayStation Store. Ils font même souvent un pack où il y a les 3 pour je sais plus combien, 30, 40 euros, un truc comme ça, mais pour les 3, quoi. Donc ça vous permet de voir la différence entre les 3 et de prendre du plaisir 3 fois plus. Ah ben là on a fait mieux, 4 secondes de retard mais on est 4ème. Donc là on va se contenter de ça. Et on va continuer vers la deuxième spéciale. Olmedo Monte Baranta, 5 km 58 de gravier et de soleil. Le rallye s'établit dans les provinces d'Olbia-Tempio, de Nuoro et de Sassari. Allez. Oh mais regardez-moi ça, punaise. Je me concentre même pas sur la route, je suis bluffé là par le coucher de soleil, c'est... Waouh, il est magnifique. Droite 5, tour, ferme en 3, dans équerre droit, étroit, dans gauche 5, étroit, reste à l'intérieur, 30 mètres. Droite 3, ouvre, 30 mètres. Gauche 4, dans droite 5, étroit, 30 mètres. Coupe, 40 mètres, dans droite 5, dans coupe, 50 mètres. Gauche 5, tour, et gauche 5, tour, corde, dans droite 5, et gauche 4, très long, reste à l'intérieur. Oh là, c'est kiffant. Attention, 1, écart droite.
100 mètres. Et gauche 5, ferme 2, très long. Droite 3, long, ouvre, 40 mètres. C'est moi, franchement, punaise, attention, mais quel bonheur. Gauche 4, très long, sur ciel. Et droite 4, sur ciel, ferme. Dans gauche 5, long, ferme en 4. Des sensations de conduite comme ça, avec un graphisme comme ça, c'est... waouh, waouh, waouh. Attention, fin, droite, ouvre, 80 mètres. Droite 6, long, ferme en 4. Bon, pour les courses de rallye dans Gran Turismo, la polyphonie digitale, vous pouvez embaucher quelques personnes de chez Kiloton pour vous donner des cours. Hein. Là, punaise, tiens. Ce Gran Turismo et sa conduite rigide, sa conduite tétraplégique, là, laisse tomber. Hein. Et droite 5, ferme, tour, 30 mètres. Gauche 4, long, ferme, 150 mètres. Droite 4, purée, ferme, mais quel bonheur. Pierre intérieure, très long. Attention, fin, écart droite, à travers portail, étroit, droite 5, pas corde, ferme, long, 30 mètres. Dans gauche 5, pas corde, 40 mètres, gauche à fond, dans droite 4, long, sur ciel, dans coupe, droite 4, et droite 4, dans gauche 5, 100 mètres. Attention, gauche 5, ferme en 4, et 3, 30 mètres, et gauche 5, sur ciel, 40 mètres. Droite 4, pas corde, et attention, gros frein, épingle gauche, ouvre, montée, 40 mètres, droite 5, sur ciel, 30 mètres. Gauche 5, sur ciel, dans droite 5, et gauche 3, sur ciel, et droite 3, sur ciel, reste à l'intérieur, 30 mètres. Et droite 2, pas corde, dans gauche à fond, et arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme résultat? Troisième, 2 secondes de retard. Allez, on va se contenter de ça. On est remonté à la troisième place, du coup, avec 7 secondes de retard. On va essayer de récupérer ça avant la fin de ce rallye. Et on a eu l'objectif, battre le temps général de Mikko Hovninamäe sur le rallye. Allez, c'est parti pour la super spéciale du kilomètre 12 de gravier sous le soleil. Ah oui, si je me souviens de celle-ci dans le 6, là, avec tous ces ballots de paille empilés les uns après les autres. C'était excellent. Épingle droite, pas corde, 30 mètres, dans saut. Droite 4, reste à l'extérieur, ferme en 2, pour 30 mètres. Oh là là. Épingle droite ouverte, dans gauche 3, pour. Et épingle gauche serrée, pas corde. Et épingle droite, pas corde, boîte extérieure, ouvre, 40 mètres. Attention, droite 3, dans épingle droite serrée, botte intérieure, dans gauche 1, 30 mètres.
court et attention, épingle gauche, pas corde, dans droite 5, reste à l'intérieur. Oh purée. Et gauche 1, court, pas corde. Ah, la poussière elle valse ça. Et épingle droite, pas corde, 30 mètres, dans saut. Droite 4, reste à l'extérieur, Clermont 2, court, 30 mètres. Épingle droite ouverte, dans gauche 3, court. Épingle gauche serrée, pas corde. Et épingle droite, pas corde, botte extérieure, ouvre, 40 mètres. Attention, droite 3, dans épingle droite serrée, botte intérieure, dans gauche 1, 30 mètres. Droite 2, court, et attention, épingle gauche, pas corde, dans droite 5, reste à l'intérieur, et gauche 1, court, pas corde, dans arrivée. Putain, encore un peu, je sortais là. Waouh, je suis content de moi là, purée, 8 secondes d'avance, cool, on a rattrapé le temps quoi, on a 5 secondes d'avance du coup au total, yes, ah, je suis fier de moi là, en normal, allez c'est parti pour la dernière spéciale, 5 km 58, Olmedo Monte Baranta. 5 km 58 de gravier sous le soleil. Il n'y a rien à réparer. Allez, avec des températures qui dépassent parfois les 30 degrés à l'extérieur, c'est le rallye le plus éprouvant de la saison. Eh ben franchement, je kiffe cette petite vidéo découverte, enfin le gameplay, je kiffe les graphismes, je... Waouh. Là, j'ai eu chaud les boulettes. Oui, on dit j'ai eu chaud les boulettes. C'était chaud les boulettes, mais on peut dire aussi j'ai eu chaud les boulettes. Parce que c'est le cas. Regardez-moi ça, c'est herbé tout le long des murets et tout. Franchement, c'est... Et ce sable jaune là, waouh. Franchement, bah, ouais, non. C'est comme ça, c'est magnifique. Et puis c'est tout, il faut le dire. Attention, fin, écart droite. Et coupe, 100 mètres. Ouh, putain, c'est à droite. Et gauche 5, ferme en 2, très long. Oh, mec, c'est magnifique que c'est. Magnifique, les amis, nom de Dieu. Si vous ne me mettez pas un petit pouce bleu pour moi, mettez au moins le petit pouce bleu pour les graphismes, pour la le fun que le jeu procure, parce que là, je vous le jure, c'est du pur bonheur. À chaque opus, ils m'en mettent plein les yeux, plein partout. Je sais pas où on en met plein, pour le côté jouissif, mais voilà. Vous m'avez compris. Et gauche 4.
ferme, long, dans droite 4, court, ouvre, sur ciel, 30 mètres. Droite à fond, ferme en 5, et gauche 4, pas corde. Donc comme je vous disais au début, je l'avais acheté en démat celui-ci, mais je l'ai également en version physique. Je l'avais acheté par après. Les 5 et 6, c'était ma chérie qui les avait offerts. Elle m'a offert également le 8 depuis. Allez. Oh, regardez-moi ça, tous ces buissons et tout. Allez trop vite Joe. Droite 4, ferme et gauche 4, pierre intérieure, très long. Attention, fin, écart droite, à travers portail, étroit, droite 5, pas corde, ferme, long, 30 mètres. Dans gauche 5, pas corde, 40 mètres, gauche à fond. Ouh là là, je l'ai rasé là, le... Oh putain. C'est chaud. À chaque fois, je panique quand je dois me rattraper et tout, mais ça va. Jusqu'à maintenant, ça va. Attention, gauche 5, ferme en 4, et 3, 30 mètres, et gauche 5, sur ciel, 40 mètres. Droite 4, pas corde, et attention, gros frein, épingle gauche, ouvre, montez, 40 mètres. Droite 5, sur ciel, 30 mètres. Gauche 5. Ciel, dans droite 5 et gauche 3 sur ciel et droite 3 sur ciel, reste à l'intérieur, 30 mètres. Et droite 2, pas corde, dans gauche à fond et arrivé. Allez, croisons les doigts. On a un petit truc là terminé, 10 spécial en milieu de journée. 4ème avec 5 secondes 79 de retard. Là, ça va être chaud parce que je sais même plus combien on avait d'avance, mais c'était pas énorme. On va voir. Surprise ou pas. Yes! Putain, on a 4 secondes 655 d'avance et on a eu le petit trophée vainqueur en Sardaigne. Cool. Ah bah, je suis content de moi là, franchement. Yes! Donc voilà, les amis, on va arrêter là pour cette vidéo découverte sur WRC7. Faut que j'apprenne à dire WRC7 parce que sinon ça pourrait me prendre de dire WRC6 encore, tellement que j'ai eu l'habitude à enregistrer tous ces épisodes 1, 2, des fois 3 par jour pour vous. Donc j'ai l'habitude de dire WRC6. Voilà, maintenant ça va, je me suis pas trompé. Donc on termine en beauté. J'espère que cette vidéo découverte donc sur le mode carrière vous a plu, les amis. Je vous ferai une vidéo découverte sur les courses rapides. Donc là, le mode course normal quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé, le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Mais le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter, je vous répondrai. Et alors à partager si vous connaissez des gens qui aimeraient ce genre de vidéos. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Jouez bien. Ciao, ciao.